Allô? Comment vont les jours? Pour moi, tout évolue très bien. Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'école? On ira quand? Tu as déjà des informations? Et moi non plus. Ok, on se reverra les jours de retour. Ok, bye. Je m'appelle Corneille Mboni. J'ai 12 ans et j'habite à Goma. J'habite ici avec ma mère, mon père, mes quatre sœurs et un frère. Et à cause de Corona, je ne vais pas à l'école. Je fais des plantations, je fais un travail, par exemple la peinture, et ma journée se passe comme ça. Nous n'avons pas de l'internet à la maison. Maintenant, je fais mes études en regardant dans mes cahiers, en faisant des révisions. Et j'ai lu les romans de l'école. À cause de cette pandémie, je me sens très mal à l'aise car on nous prive d'aller à l'école, on prive d'aller à l'église et on prive de faire quelques activités importantes. Parfois, pendant cette situation, je me sens comme un prisonnier. Ma famille a un stand de légumes, des épices. On vend aussi des épices, des tomates, des poivrons. Parfois, moi, je me mets dehors pour les aider à vendre ces épices, ces légumes-là. Ça, c'est mon chat Nounou. Je suis très heureux de l'avoir. Je vais passer avec lui un moment parce que je ne vais plus à l'école. Je ne sais pas quand l'école va commencer, mais je continue à être intelligent et je recommande aux gens de se laver les mains et se tenir en distance quand ils parlent.